C'est Dimeli Milou au sein de l'appareil judiciaire de la RDC qui dit la vérité et qui raconte le mensonge. La question reste posée. Il y a presque 7 mois que l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique était condamné à 3 ans de prison pour blanchiment de capitaux. Mais vers la fin de ce week-end, la nouvelle de sa libération est tombée comme une bombe venue de nulle part. Le nom de Willy Bakunga figure sur la liste des personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle. L'homme a quitté la prison jusqu'à son domicile. Critiquée par plusieurs, la libération des ministres honoraires de l'EPST a alimenté les débats politiques du pays et fait la une des réseaux sociaux. 24 heures après, Mme Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, traite la libération de Willy Bakunga d'une erreur commise par le procureur général près la Cour de cassation, tout en exigeant le retour de Willy Bakunga dans sa cellule à la prison centrale de Makala pour continuer à purger sa peine. Arrivé le dimanche 28 novembre 2021, Willy Bakunga est porté disparu. La nouvelle est annoncée par sa famille qui affirme que celui-ci est injoignable même sur son portable. Jusqu'à présent, l'endroit où se trouverait l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakunga, reste encore un secret des polichinelles. Mais certaines sources l'ont déjà annoncé en dehors du pays. Ceci reste donc un dossier à suivre.